Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau Talking de la Sanecopo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis sorti de mon atelier, je me trouve à Albi pour vous parler de quelques petits trucs. Les LDC, j'en prépare deux en ce moment qui sont en tournage, là, actuellement. Donc deux projets en même temps, pratiquement, qui vont sortir pas en même temps, du coup, puisqu'il y en a un qui est plus abouti que l'autre. Mais déjà, il y en a deux en préparation, ça va bientôt arriver. Je voulais aussi, par ailleurs, vous remercier. Vraiment, vous êtes pratiquement 350 abonnés actuellement à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment énorme. Surtout, n'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre des pouces bleus, ça me fait grimper dans les classements et ça permet à d'autres gens de découvrir mes vidéos. Et puis, le partage permet de développer la communauté, de faire connaître mes vidéos. Et si j'arrive à certaines quantités d'abonnés, je pourrais me permettre d'entreprendre des projets, de nouveaux projets dont j'ai idée. Parlons-en de ces idées. Et oui, j'en ai plein. Il y a la possibilité de partir rencontrer des gens, aller dans une série, rencontrer d'autres ébénistes, voilà, vraiment partir à votre rencontre aussi, pourquoi pas aussi. Et voilà, donc si c'est pas que ça vaut pas le coup de le faire quand il y a 350 abonnés, déjà c'est énorme, mais si la communauté est plus grande, s'il y a 500, 600, 700, là 1000 abonnés peut-être, qui sait, ça arrivera un jour, on croise les doigts. Mais voilà, si la communauté grandit, ça vaudra plus le coup pour moi d'entreprendre des projets un petit peu plus fous. Voilà. Donc, j'espère que ça arrivera. J'espère que je pourrai vous proposer ce genre de contenu. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager la chaîne. Ah, des gens avec leur musique dans la rue. Donc n'hésitez pas vraiment à partager les vidéos de l'incendie Copo, c'est vraiment ça qui va me permettre de développer ma chaîne et de pouvoir proposer des contenus plus intéressants, plus variés encore pour vous. Non, Japan. Japan, oh! ああ、弱ってた。そうなの。じゃあ取ってあんたな。取ってって言ったの。こうやって持って。ほんでも聞いたら持ってみてって言われたで、持ったの私が。ああ、こう。え。Like this。あ、いいっすよ、オッケー。あ、違う、ちょっと。With me? いや、これだこれだ。じゃ、綺麗に取れるの?これ動かない。いや、そらそうやな。趣味?ホビー? This. Hobby? Hobby, yes. Yes, I make a video for wood, woodworking. I make a guitar. Wow. Guitar is good? Yes, but I build a guitar maker. Guitar maker? Yes. I use a tree and I make guitar with tree. Je viens de croiser des Japonais fort sympathiques. Alors je crois que c'est l'émission Midi en France qui est aujourd'hui chez nous. Concernant la chaîne de l'incendie Copo en elle-même, j'aurais pu au départ faire une chaîne en anglais, comme il y en a beaucoup d'autres. Mais seulement, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix en chaîne d'ébénisterie française, francophone en tout cas. Et donc j'avais à cœur vraiment de mettre ma pierre à l'édifice, de faire grandir vraiment cette communauté francophone, parce que tout le monde ne parle pas anglais, évidemment. Donc voilà, j'aurais pu la faire en anglais, j'ai décidé de la faire en français vraiment pour vous, pouvoir vraiment rayonner au niveau de l'échelle francophone, parce que au niveau des youtubeurs américains c'est saturé quoi, il y a vraiment trop de monde et puis voilà, ça valait pas le coup vraiment de faire un truc en anglais, donc vraiment j'ai tenu à faire ça en français pour vous, en espérant que ça vous fasse plaisir, et ça vous fait plaisir, merci de vos retours d'ailleurs, il y en a qui me disent enfin une chaîne en français. Donc vraiment je suis content que ça vous plaise. Du coup, il y a quelques concepts que j'aimerais bien reprendre, notamment celui de David Pucciedo, un Américain qui porte un nom italien, de la chaîne Make Something. Je vous invite à regarder sa chaîne d'ailleurs ici, c'est vraiment génial. Et il avait pendant un moment une émission où il présentait en fait 5 projet de YouTube par semaine, donc les 5 meilleurs qu'il ait vus. Il présentait ensuite le Tool of the Week, donc l'outil de la semaine.
Donc ça pouvait être un électroportatif, un outil à la main, n'importe quoi d'autre. Après, il faisait un FAQ. Donc il répondait aux questions de ses abonnés. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que bon, on n'est pas très nombreux et vous n'avez pas tant de questions que ça finalement. Mais ça viendra sûrement. Et voilà, quitte à faire une émission comme ça, pourquoi pas créer un décor éventuellement ou faire quelque chose d'un petit peu foufou comme ça. Mais là, encore une fois, voilà, ça va dépendre de la communauté. Ça va dépendre aussi, si, je ne sais pas, peut-être que ce ne sera pas bien reçu aussi, ce genre de concept en France. Donc voilà, bon, c'est dans les cartons en tout cas et j'espère mettre ça au point prochainement. Voilà. Beaucoup d'entre vous aussi me connaissent uniquement par l'émission L'Instant des Copeaux et voudraient en savoir plus, seraient curieux de me connaître plus personnellement. Alors j'ai pensé éventuellement en parler dans cette vidéo, mais bon... Je sais pas trop finalement, je vais peut-être vous faire une vidéo vraiment consacrée pour ceux qui voudront la voir, voilà. Je vous parlerai un petit peu de moi, de mon histoire, d'où je viens, ce que j'ai fait, mes compétences professionnelles, mes incompétences aussi, voilà. Donc vraiment, je prendrai le temps de vous parler un petit peu de moi parce que je sais que ça peut intéresser certains et je le ferai. Les vidéos à venir d'ailleurs, on m'a demandé également de montrer comment je réalisais une émission d'Instant des Copeaux, donc le matériel utilisé, comment je découpe... un tournage, comment je monte aussi une émission. Donc voilà, je ferai une émission spécialement consacrée à ça où je vous parlerai de mon matériel, comment je monte, quelles sont les astuces que j'utilise, voilà, tous les petits trucs pour faire un Instant des Copeaux. Voilà, on me l'a souvent demandé, ça va se faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé de ne pas vous avoir présenté de petits projets en bois là, mais ça va arriver bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire là ou sur le site internet aussi, puisque j'ai réalisé un beau site internet qui n'est pas tout à fait à jour encore, puisque là, à l'instant où je vous parle, nous sommes au mois de mars. Et donc le printemps arrive, ça commence à bourgeonner, mais voilà, pour vraiment garnir mon site internet de belles photos, j'attendais vraiment le retour du printemps pour pouvoir vous proposer vraiment un site internet vivant avec beaucoup de photos, de belles choses à voir. Mais déjà, il est en ligne, vous pouvez le visiter, c'est le www.linstantdescopeaux.com. Vous pouvez laisser des commentaires, poser vos questions sur le site internet auxquelles j'y répondrai. Vous avez aussi à disposition les plans de mes projets. Voilà, tout sur l'univers de l'Instant des Copeaux. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Salut !